Bonjour. Lorsque nous rencontrons une difficulté émotionnelle, qu'elle soit liée à une composante relationnelle, physique, intellectuelle, peu importe, il est important de lui accorder la réaction appropriée. En effet, c'est en fonction de cette dernière que soit notre difficulté s'enlise et prend de l'ampleur, soit elle se réduit pour ensuite nous en libérer. Le problème, c'est que bien souvent, nous aurons tendance à nous juger, à partir dans une dynamique négative qui va incruster cette difficulté jusqu'à nous donner le sentiment de la subir, sans avoir le moindre contrôle. Ce que je vous propose par le biais de cette série d'audio basée sur des affirmations positives, c'est de reprogrammer votre subconscient afin d'opérer un changement durable dans votre perception de vous-même. En d'autres termes, donnez à votre cerveau l'information souhaitée afin qu'il se l'approprie pour qu'elle devienne réalité. Et l'hypnose est un excellent outil pour cela parce que dans cet état de conscience modifié, l'esprit intègre bien plus facilement et sans le moindre effort les suggestions proposées. Soyez simplement conscient que ce n'est pas une baguette magique. Le changement dépendra de tout ce que vous mettrez en place en parallèle, en fonction de ce que vous souhaitez modifier. Parfois, cela implique de se faire accompagner d'un médecin ou thérapeute. Ce que je vous propose ici est donc complémentaire à vos démarches personnelles. Afin d'installer durablement ce changement de perception pour impacter positivement votre bien-être, cet exercice doit être répété très souvent. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'effectuer quelques capsules courtes, d'une quinzaine de minutes, que je vous invite à écouter très régulièrement. En tout état de cause, il est recommandé de pratiquer la séance quotidiennement durant 21 jours consécutifs pour que cela porte ses fruits. C'est le laps de temps dont l'esprit a besoin pour pouvoir intégrer les choses. De cette manière, ça ne vous demandera que quelques minutes sans devoir renoncer à d'autres activités. Vous pouvez les écouter dans les transports en commun, durant votre pause midi, avant de vous lever ou encore en fin de journée lorsque vous êtes prêt à dormir. Notez que dès que vous aurez écouté cet audio une première fois, vous pourrez passer cette introduction et tout de suite en démarrer la lecture à la troisième minute. Commençons. Les expériences passées peuvent laisser des stigmates en nous qui agissent comme des freins, nous empêchant d'avancer librement. Et le problème alors, c'est que ce passé a un impact direct sur notre présent. Alors que l'expérience est clôturée, qu'elle ne fait plus partie de notre réalité concrète actuelle. Pour la laisser à sa place, c'est-à-dire derrière soi, et lui ôter ce pouvoir négatif qu'elle détient encore, il est essentiel de revenir au présent, ici et maintenant. De la même manière, entretenir une image négative de nous-mêmes ou douter de nos capacités peut nous conduire à tirer le frein à main, alors que tout concourait à ce que nous puissions aboutir dans nos projets, que ce soit sur le plan social, professionnel ou individuel. Donc, en changeant de perception sur vous-même, vous impacterez directement et positivement les conséquences liées au manque de confiance en vous. Vous oserez plus de choses, serez plus à l'aise dans vos relations aux autres. Bref, vous améliorerez considérablement votre qualité de vie. Les entraves ne sont pas devant nous, mais soit derrière, soit dans notre imaginaire. Et pour ce qui est des obstacles concrets que nous pourrions rencontrer, nous faire confiance nous permettra de les dépasser. Les failles liées à la confiance en soi représentent des blessures dont on prend soin sur le long terme. En y accordant de l'attention très régulièrement, en avançant pas à pas dans le respect de vous-même, vous apprendrez à vous regarder différemment,
à redécouvrir une foule de choses positives qui sont peut-être passées sous silence aujourd'hui, voire complètement oubliées. Alors allons-y. Je vous invite à fermer les yeux et à prêter attention à votre respiration. Chaque inspiration et expiration vous emmènera plus profondément dans la détente et le lâcher-prise. Je vous guide dans cette connexion à vous-même en effectuant un décompte de 5 à 1. 5. En inspirant profondément, vous installez le calme en vous-même. 4. Votre corps, dans son ensemble, se détend. Les muscles se relâchent et vous ressentez une douceur subtile vous envahir. 3. Vous vous enfoncez encore plus profondément en vous, invitant votre conscience à lâcher prise en toute confiance, puisque vous êtes en parfaite sécurité. 2. Votre subconscient est prêt à recevoir mes suggestions et à les intégrer durablement, petit à petit, dans votre esprit et dans chaque cellule de votre être. 1. Vous y êtes, au plus profond de vous-même, dans cet état de détente sereine où chaque phrase que vous entendrez ou répéterez après moi trouvera sa place en vous. 2. Si vous le souhaitez, vous pouvez associer chaque phrase à un inspire, mais vous pouvez tout aussi bien respirer à votre rythme. Le plus important étant de ressentir l'intention de la phrase qui s'ancrera en vous sans que vous n'ayez rien à faire pour cela. 3. On y va. Je suis conscient de mes ressources personnelles. Je sais que je suis capable de grandes choses. Je crois en moi. Je m'accorde le droit d'être fier de moi. De m'aimer tel que je suis. Je prends soin de moi. Je suis une belle personne. Comme tout le monde, j'ai des défauts. Mais je ne les laisserai plus m'empêcher d'avancer. Je suis capable de surmonter mes difficultés. Je cesse de rechercher la perfection. Je m'accepte tel que je suis. En constante évolution. Je me libère de mes fausses croyances.
j'accorde de l'importance à mes qualités. Je choisis d'être libre. Je m'autorise à être en paix avec moi-même. Et me donne la chance de réaliser tout ce que je souhaite. Dorénavant, je serai mon meilleur allié. Je suis conscient de mes ressources personnelles. Je sais que je suis capable de grandes choses. Je crois en moi. Je m'accorde le droit d'être fière de moi. De m'aimer tel que je suis. Je prends soin de moi. Je suis une belle personne. Comme tout le monde, j'ai des défauts. Mais je ne les laisserai plus m'empêcher d'avancer. Je suis capable de surmonter mes difficultés. Je cesse de rechercher la perfection. Je m'accepte tel que je suis. En constante évolution. Je me libère de mes fausses croyances. J'accorde de l'importance à mes qualités. Je choisis d'être libre. Je m'autorise à être en paix avec moi-même. Et me donne la chance de réaliser tout ce que je souhaite. Dorénavant, je serai mon meilleur allié. Voilà. Vous pouvez maintenant revenir tranquillement à vos activités ou vous endormir si c'est ce que vous aviez prévu de faire. Quoi qu'il en soit, faites-le avec confiance. Vous pouvez compter sur vous. À bientôt.